Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio Space Exploration, où on reprend où on s'était arrêté. Moi, entre-temps, comme vous le voyez, j'ai fini le magnifique pipeline. On va pouvoir lancer tout ceci. Et au passage, on a quelques améliorations à faire. Parce que donc là, en fait, il faudrait mettre la moitié de côté. D'ailleurs, là, ça fait un peu beaucoup de poteaux tout ça, mais bon. Comment ça se fait qu'il y en a deux? Bref, là on a nos 10 et nous on voudrait faire ça plutôt. Hop, limite on va récupérer tous les poteaux en double, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas très grave. Hop. Ok, là on a une bonne production de béton qui commence. On va même se permettre de s'en faire un petit stock. Hop. Parce que pourquoi pas. Ah, j'ai l'inventaire plein. Ok, c'est pas grave. On va se faire un peu de place. Parce que je veux le béton. Hop, ici on va. Trop termité pour l'instant, c'est pas grave. Même mettre ça, hein, parce que c'est pas le tout. Mais... Pendant ce temps-là, les recherches, on peut continuer à avancer un petit peu aussi. Hop, on va faire les batteries. Et on va pouvoir commencer doucement à réfléchir au pétrole. Hop, donc ça se demande quoi? Il va nous falloir de l'acier un peu plus. Eh bien, allons chercher de l'acier, ce n'est pas grave. Au moins, l'avantage est qu'on a la blinde de tuyaux, donc ça c'est cool. On va se refaire peut-être quelques. De toute façon, il va falloir de l'acier pour ça aussi. L'acier, il arrive où? Il arrive là. C'est marrant ça, pourquoi il n'y en a que d'un côté là? Hop. Bah oui, non, c'est normal. Tout va bien. Pas de panique. Hop. Limite, on va essayer de se débarrasser de 2-3 trucs qui servent à rien. Ouais, je sais. C'est bon. On se calme. Déjà, j'ai 2-3 trucs qu'on va pouvoir totalement virer parce que ça sert vraiment. Ça servira jamais à rien. Hop, je crois que j'avais un petit coffre qui traînait dans l'ancienne base, enfin dans la micro-base de départ. On va aller poser ça là-haut. Ensuite, hop, pour tout ça, là. On a vu, c'est cool. Je sais plus combien il en faut de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et là, j'en suis à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Voilà. Bon, bah déjà, on va. Ça. Ah, il est là-haut, le coffre qui m'intéressait. Hop. Ici, on va se débarrasser de ça. On va se débarrasser de ça. C'est tout. A priori, oui. Hop. J'ai un petit peu de bois sur moi, mais à la limite, on peut le garder. C'est pas la fin du monde. Prendre une stack de verre pour la route. Bon, encore, j'en ai pas mal. On peut se débarrasser un peu de cuivre. Pour ça, on va même reprendre un peu de cuivre pour la route. Ok, hop, la recherche s'avance. Faire les accumulateurs, peu importe. De toute façon, on prend surtout de l'avance pour la suite. Hein. Hop, voilà. Et il va nous falloir surtout les raffineries. C'est ça qui va être compliqué, non? Ça va encore. Hop, il va falloir des moteurs visiblement. Au moins, on devrait avoir un peu de quoi faire avec ça après. Hop, on peut se faire quelques lampes en attendant. Voilà. Poteau électrique en attendant aussi. Hop, on prend une stack de ça au cas où, mais ça a l'air d'aller. Hop, surtout ceux-là qui viennent à manquer. Ok. Tant que j'y suis, je vais prendre aussi une, deux, trois autres trucs intéressants. Prendre un petit peu de convoyeur. Hop.
mettre juste celui-là qui traîne tout seul là. On va... Ici, nous avons normalement débloqué le... Non, pas encore. J'ai pas fait la recherche. Hop. Stack comme ça. Et là, on devrait être pas trop mal. Hop. Limite, on va profiter pour refaire... Ça. Et on va pouvoir surprendre un petit peu de cuivre. Voilà. Donc là, le fait d'avoir un petit peu de pétrole, ça pourrait déjà, rien que débloquer les explosifs de falaise, ça va être, ça va permettre de nettoyer un peu la base. Ça, ça va être cool. Hop, est-ce qu'on se prendrait pas un petit peu de béton pour la route? D'ailleurs, ça veut dire qu'on peut aussi faire les poteaux électriques comme ça maintenant. À la limite, ça, on peut le ravancer un petit peu, histoire de bien marquer la délimitation. Hop. Voilà, comme ça c'est plié. Ça. On commence à arriver au bout des techs qu'on va avoir besoin dans le futur proche. Hop, on va envoyer le plastique. Et on va pouvoir aller s'attaquer à notre pétrole. Donc, comment je pensais faire cette histoire? Hop, on y est. Donc, on va exploiter le pétrole ici. On va lancer, je pense, le traitement là. On va se faire une petite rangée de raffinerie comme ça. Et après, comme ça, on pourra lancer tout un minibus à produits pétroliers dans ce coin-là. Je pense que ça va se faire dans cet ordre-là. Hop. Hop. C'est vrai que j'ai ma... ça qu'on peut utiliser. Ça marche pas du tout. Bon, ok. Hop, il faut forcément les placer en blueprint. C'est pas très grave. Ok. Donc. Un premier élément. Il va falloir nous amener à des choses comme ça. Voilà. Par exemple, on peut faire ça comme ça. Hop. Ici, on va tout de suite en profiter pour stocker tout ce qu'il nous faut. Hop. C'est tout, j'en ai que deux pour l'instant. Ça va peut-être falloir en faire un petit peu. Ok, soit. Hop, donc là on va pouvoir commencer à électrifier tout ça. La question c'est où est-ce qu'on a du courant le plus proche? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est en haut? Ça a l'air d'être plutôt à gauche. Soit. Hop, hop. Donc, ça limite des tuyaux. On va pouvoir en refaire un petit peu. J'aurais pu en prendre quand on était au mall. C'est pas grave. Je sais pas du tout par où on l'enverra, mais c'est pas grave. Et là, à la limite, maintenant qu'on a enfin débloqué les grands poteaux, on peut se permettre d'en mettre un petit peu. Voilà. Ça commence à tourner. Ah, il y en a un en haut qui ne tourne pas du tout, ça c'est pas bon. Hop, est-ce qu'on peut pas... Si, on peut le monter d'un cran. Allez, on a rompu maintenant la connexion ici. Hop, hop, c'est pas grave. Ok. Donc là, limite, ça, on va le mettre plutôt comme ça, histoire de mettre ça là. Et là, on est pas mal. Hop, bon, celui-là, on va le faire tourner là, très simplement. Hop. Hop, hop. Et hop. Il ne reste plus que ces trois-là à faire fonctionner.
pas s'embêter à cet endroit là, on va se faire ça comme ça, bim. Là, on va se monter un truc qui va aller jusque là. Hop. Ok. Ça comme ça, ça comme ça. Ça, jusque là. Voilà. Comme ça, maintenant, là, tout le monde tourne. On est bon. Hop, recherche. Maintenant, on a débloqué le plastique. On peut commencer l'électronique avancée. Alors, maintenant, le pétrole. Est-ce que ça a beaucoup changé ou pas? Mais là, direct, en fait, il faut la recette avec de l'eau. Même si ça ne fait que du gaz... Même si ça ne fait que du gaz de pétrole. Je vais y arriver. Hop. Donc, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se permettre... Hop. Voilà. Bon, donc, l'un dans l'autre, ça veut dire que... On a bien fait d'aller chercher l'eau. Parce qu'on va en avoir besoin bah, tout de suite. Et hop. Je sais pas si je voudrais continuer au-dessus. C'est pas très grave. Voilà. Bon, on va dire qu'a priori, on va pas continuer au-dessus pour l'instant. Il y a une petite distance quand même, hein. Hop, là. Donc là, on a quoi? 1, 2, 3. Ça, on le met plutôt comme ça. Et là, il va nous falloir de l'électricité. Sinon, ça ne marchera pas. Hop. La microélectronique est terminée. On va essayer d'aller débloquer ça en speed. Qu'est-ce qu'il faut pour débloquer la suite du pétrole? C'est tout ça qui nous a intéressé au fond. Où est-ce qu'elle est? Il y a beaucoup trop de recherches. Ça pourrait s'appeler raffinage. Pas ça, oui. Ok, donc il nous faudra un petit peu de bleu pour produire ça. Ok, soit. De toute façon, pour l'instant, ça va pas être la priorité. Déjà, si on peut produire du gaz de pétrole, ça sera déjà pas mal. Ok, donc là, on est bon. À ce niveau-là, on va se préparer tout de suite à. C'est marrant, celle-là, elle met pas les sorties. Bon, c'est pas très grave. Hop. Et hop. Et à chaque fois, toc, 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 toc. Pourquoi elle tourne pas celle-là? Parce que je n'ai pas mis de recette, tout simplement. C'est pour ça qu'elle mettait les sorties, c'est parce qu'on lui avait pas mis de recette. Tout va bien. Ça, c'est fait aussi. Les recherches vont beaucoup trop vite. On n'arrive pas à suivre. C'est incroyable. Hop. Et à la limite, un petit setup comme ça, on peut... se le dupliquer, une exception près, c'est que c'est ça qui va aller là. Voilà, hop, on va relancer quelques trucs là. Mais alors, elle est au boulot, hop hop. Ok. Donc là, comme ça, on a notre futur bus à produits pétroliers. Et on va assez vite vouloir produire du soufre pour les explosifs. Et du plastique pour pouvoir débloquer la recherche. Hop, circuit rouge. Et la recherche elle-même, elle a besoin de circuit rouge et de soufre. Comme ça, c'est fait. Donc, il va falloir qu'on se prévoie un petit... petit minibus pour ça. Hop, on va lancer ça, on sera bon. Ok.
Donc déjà niveau sortie, on voudrait avoir deux lignes de soufre. Pas deux, une seule suffira. Deux lignes de plastique, c'est sûr. Une ligne de soufre, une ligne de batterie. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? On peut se garder aussi deux lignes de... Vous savez quoi? Le carburant solide, voilà. Je sais pas si on voudra faire du carburant de fusée sur place aussi. Toc 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 toc, c'est où? Ça doit être là, non? Ah ben pour fusée, oui. Hop. Oui, c'est avec du pétrole léger, donc on va faire ici deux de carburant combustible solide qui à terme seront remplacés par deux de carburant de fusée. Pourquoi pas? Et faudra cesser après de quoi craquer tout ça. Ensuite, on peut dire qu'on veut se faire passer vite fait trois lignes. Alors le problème c'est quoi? On va pas pouvoir les mettre l'une avec l'autre. Va falloir faire du truc un peu comme ça. Hop, on se met ça maintenant. Qu'on puisse toujours passer, hein, forcément, donc déjà là c'est beaucoup trop proche. Hop, voilà, comme ça plutôt. On va même se garder une ligne de prête, histoire. Un peu comme ça. Et là, on va pouvoir se passer les lignes qui sont, iront en entrée. À savoir, il y aura du fer, du cuivre et du charbon. Est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est bon. Hop, ça. Et donc là, on va pouvoir commencer notre petit but, enfin notre production ici. On va même se mettre un petit chemin pour marquer le coup. Bon, on a vraiment besoin. Allez, soyons fous. Hop, je commence déjà à faire des bêtises. Hop, voilà. Ok. Et là, tant qu'on y est, on peut se faire une petite zone de stockage en amont, hein. Ça pourrait être cool. On va peut-être se la mettre par là. Est-ce que j'ai fait des réservoirs? Oui, a priori. Hop, voilà. Celui-là, il doit aller là. Et celui-là, il doit aller là. Voilà, comme ça on va commencer à stocker du gaz de pétrole pour la suite. Et on va être bien. Ensuite, il y a un de ces trucs-là, là, va falloir que ce soit de l'eau. À la limite, on va aller s'en chercher là, je pense. Voilà. Juste oublié un morceau. Rien de grave. Hop. Voilà. Donc là, on a un bon petit début. On va pouvoir commencer tranquillou. Là, par exemple, avec une production de soufre, comme ça sera fait. L'avantage, c'est que le soufre, ça a besoin de rien. Donc, pour ce faire, il va falloir. Hop. Un peu d'usine, comme ceci. Beaucoup trop haut. Bon, il faut du vert à rouge, mais il faut du bleu. Il y a des sciences bleues à débloquer avant. Bon. Soit. Hop, commencer la recherche sur les modules. Toc, donc ça a une productivité de 1. Ok. Hop, soufre, 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 il est là.
Ok, donc chaque usine va produire 2 de soufre. Donc pour en faire 15, bah, il va falloir, on va dire, 8 usines, quoi, hein. Hop. C'est un peu de place, hein. Déjà commencer à les alimenter, ce sera plus simple. On va avoir besoin encore plus de tuyaux. Dégage de là. Hop. Toi, comme ça. Voilà. Hop. Ça, on est pas mal. Ok, ensuite on va envoyer donc, on a dit du pétrole, enfin du gaz de pétrole. Oups. Et hop. Voilà. Comme ça commence à tourner. Donc on a dit qu'il nous en fallait 8. Donc on peut prendre ça, hop, faire un petit flip. Ah, dommage, on ne peut pas. Bon, bah, tant pis. C'était bien pratique pourtant. Ça au moins je peux le. Ça je peux le retourner, d'accord. Hop. Voilà. Hop, à la limite si on peut sortir le gaz de pétrole à cette distance-là, c'est pas plus mal. Hop. Voilà. Et enfin, de l'eau. Hop. Ok. Donc là, comme ça, on a premier truc de souffle qui tourne. Pour faire un peu de stock pour moi, comme ça je pourrais me faire des explosifs. Ah, quoique, je sais pas si on peut les faire à la main, les explosifs. Non, parce qu'il faut de l'eau. Bon, tant pis. Tous les cas, il va me falloir du charbon. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de charbon dans les environs. Alors, même pas du tout. Faudra commencer à réfléchir à ça. Hop. Ok, on a commencé à débloquer les premiers jeux de modules. Est-ce qu'on va vraiment se lancer là-dedans? Tout de suite, je ne sais pas. On peut améliorer un peu la productivité. Ça mange pas de pain. Crash de météorite, ça va, c'est pas la fin du monde. Ok, donc là on est pas mal. Question c'est. Oui, de toute façon, il va falloir sortir du soufre forcément pour la science bleue. Il y aura au moins une ligne de soufre. Et il y en a une autre qu'on pourrait split entre faire des explosifs et faire de l'acide. À la limite, on va dire que c'est celle-là qu'on va split. Voilà, comme ça. On pourra faire des explosifs ici, par exemple.
Hop. Et là, on pourra faire une ligne qui arrive. Fait ça. Voilà. On va se dire que ça prendra là, que ça ressortira comme ceci. On verra ce qu'on fait des explosifs. Dans un premier temps, on pourra juste se permettre de les stocker. Hop, voilà, ça ira très bien. Bien entendu, il nous faudra du charbon. Là, on va pouvoir directement se préparer un petit truc qui permettra... Pas du tout. Hop. Quand même. Hop. De faire l'acide sulfurique. Là, ça va être plus compliqué à lancer. Il va nous falloir de l'eau. Non. Mais je vais pas me planter de raccourci. Ah! Ça, on est tranquille. Hop, donc ça, on aurait un truc qui pourrait faire comme ceci. Yo. Et arriver là, qui comme ça pourrait repartir tranquillou. Je sais pas si on veut le doubler pour être sûr. Ouais, allez, soyons fous, on épuise après. Ça avait vaguement le coup ce que j'ai fait. Hop. Hop, on va avoir besoin d'un truc qui fait ça. Qui vient chercher du truc là. Qui vient splitter ici. Hop. Voilà. Qui ramène du charbon là, donc de toute façon, qui fait ça. Et donc ça, ça peut repartir en souterrain pour l'autre côté. Où on aura globalement la même chose. Oups, non. Hop. Voilà. Un gros poteau pour la forme. Voilà. Ok, ça, ça c'est prêt. Il n'y a plus qu'à amener du charbon et on sera ça. Et ça sera fait. Ensuite, on va avoir, on peut remettre le deuxième bloc. Là par contre je vais le désactiver. On peut remettre tel quel le deuxième bloc de production. Je vais pas copier certains trucs, mais c'est pas grave. Hop, de soufre. Voilà, ça s'est réparé. Comme ça, on a réservé. Et après, on pourra s'occuper du plastique. Et typiquement, ça, on peut aussi l'emmener directement ici pour marquer le coup. Ah, plus de tuyaux. Hop. Voilà, production, elle ira. Donc, ça, c'est du fer qu'il faudra amener là. Ok. Donc maintenant il va plus que nous manquer les ressources principales, à savoir du charbon, du fer et du cuivre. Le cuivre on en a là, donc à la limite on va le fondre sur place, ça sera très bien. Je sais juste pas comment on va. Bah, de toute façon il faut qu'on amène du charbon, donc on pourra amener de quoi alimenter le cuivre.
Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on tire deux lignes de charbon au moins qui feront tout ça. À la limite, je vais le faire hors épisode parce que ça va pas être passionnant à regarder. Et il manquera plus que le fer. Fer, je sais pas si on pourrait peut-être sortir une ligne en plus d'ici. Je sais pas si on aura besoin de tant que ça, quoi, c'est ça le truc, mais bon. Ouais, je sais pas comment on va faire pour le faire. Je vois que ça, on décale ça, tout ça d'un cran. Comme ça, là, on peut ressortir une petite ligne qui ira là, qu'on pourra fondre quelque part par ici, et qu'on pourra envoyer ensuite. À la limite, on va faire la fonte de fer et de cuivre là, comme ça, on sera tranquille. Et on pourra les envoyer vers ça. Peut-être en faisant gaffe de pas trop empiéter là-dessus, des fois que là on soit un peu court au niveau distance par rapport au bout du bus. Et on va faire un truc dans ce goût-là. Donc ouais, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vais essayer de préparer un peu tout ça pour qu'on ait le plus gros de près. Hop, tant qu'on est là, on peut relancer une petite recherche. Bon, on va s'arrêter là pour la recherche pour l'instant. La fin du monde. Et puis je vous retrouve au prochain épisode où on aura tout ce qu'il nous faut pour finir à peu près notre production de dérivés du pétrole. Voilà, moi avec tout ça, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!